Bonjour les amis, comment allez-vous? Je regarde ces films. Écoutez, moi ça va, sauf que figurez-vous, je commence à avoir mal aux dents. Mais je le sais, elle est partie en morceaux maintenant. Donc je devrais y aller maintenant, avant que ce soit une crise. Mais non, je suis comme ça. Quand j'ai une rage de dents, moi je suis poussée par la douleur. C'est con, hein? Bon, on y va? Alors, vous vous en doutez, vu ma coiffure absolument splendide. Je vais vous faire en direct le maquillage que je vous ai présenté l'autre jour, juste en vous expliquant ce que j'avais fait. Puis a priori, il vous a bien plu. Vous m'aviez dit que j'avais bonne mine, tout ça. Donc, vous me voyez avant. Et vous me verrez après. Donc, je prends exactement les mêmes éléments que j'avais mis dans cette pochette. Lave. Rien que pour vous. Lave. Lave. Bon, on y va. Donc, je vais mettre la base dont j'ai fait mes soins. Si je suis rouge, c'est normal parce que, d'ailleurs, ça me chauffe, parce que j'ai fait un masque, je crois que je me penche à chaque fois, c'est chiant. J'ai fait un masque donc il faut laisser absorber par la peau et enlever en dernier moment les résidus. Donc, c'est ce que je viens de faire. Du coup, ah, ma peau est ultra douce, magnifique. Je vous parlerai de ces masques dans mes produits préférés du moment. Un de ces quatre, hein? Là, donc, en base, je vais mettre, je voulais. Ah, attendez! Merde, ça coule. Oh, pourquoi il coule? Oh, ben j'en ai de partout. D'accord. Heureusement, j'ai un pull blanc. Bon, bref. C'est pas gâché. C'est la base SOS. Donc, je vous ai pré... Vous avez... Je vous ai le... Je vous ai linké. Je vous ai indiqué dans la barre d'infos de la vidéo concernée tous les produits. Donc, c'est la base SOS Primer de chez Clarins. Boost de l'éclat. Boost de l'éclat. Voilà. Bon, donc, hop, direct dans la petite pochette. Donc, j'en mets un tant soit peu, mais voilà, comme ça, vraiment pas beaucoup. De toute façon, vous ne pouvez pas voir, c'est sur ma main gauche. J'en ai là, j'en ai sur le doigt, puisque ça a coulé. Elle devait avoir la... Ben non, pourtant, elle n'a pas la tête en bas, parce qu'elle était dans la pochette. Attendez, on va se rapprocher, les gars, je vais y arrêter. Si j'avais dans quel sens ça se fait, hein. D'accord, ça se passe... Oh là, ouais. Bon, écoutez, on va dire que c'est bien. Hein? Et là, la crème est partie sur mon, c'est-à-dire caleçon, comme on disait avant, sur mon leggings. Voilà. Bon, je suis rouge, c'est normal. Hein? Et je ne change pas la couleur de la peau. Hein? Je suis toujours aussi rouge. On va laisser pénétrer légèrement. Enfin, pas pénétrer, se fondre dans la peau. Pénétrer, non. Pardon. Ouais, c'est drôle. Oula, mon œil reste coincé. Oui, je suis bien. Regardez comment. Vicouetou, là, j'aime bien mon Vicouetou. Ensuite, donc, exactement comme j'ai. Je vous fais exactement les mêmes choses. J'utilise donc le célèbre instant anti-âge de chez Maybelline, celui avec la mousse que tout le monde a conspué au début, mais que moi j'aime bien. Donc, j'en mets essentiellement ici, là où j'ai des poches qui ont à peu près disparu. Non, normalement, il ne faut pas faire, mettre du foncé, là, je m'en rappelle jamais. Bon, bref. J'en mets aux endroits que j'estime nécessaire. Et du coup, comme je suis rouge comme un coquelicot, ouais, un peu là. Un peu là. Je ne suis pas sûre que peu là, là, c'est marché. Bon, bref. Bon, vous le connaissez. Vous voulez que je vous remontre? Ça va. Marquez, il y a peut-être des nouveaux et nouvelles, on ne sait pas. Abonnez-vous, les gars. Les gosses et les filles. Non, stop. Je prends ma petite brosse de chez Action. Que j'aime et que j'adore, je suis obligée de me courber, c'est pas pratique. Hein. Mon téléphone est mal posé cette fois, vous voyez, il se fond parfaitement. Ce effaceur de rides, de ce que vous voulez, non, effaceur de cerne. Voilà. Bon, je vais essayer de pas trop appuyer quand même. J'ai oublié d'en mettre autour de mon nez. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon éponge? Et comme il n'y aura plus de poux, j'en ai mis et je vois rien. Attendez, vous faire regarder mon truc. Mais là, il y a mon miroir. Hein. Vous en doutez que je ne parle pas à un chien. J'en ai pas. Comme il doit normalement rester quelque chose sur mon pinceau, j'en profite pour mettre un peu sur mes paupières. Bon, mais écoutez.
Comme ça, tout parfait, parfait, parfait. Tout me paraît parfait, sauf les petits boutons de la mort qui tuent. Grrr. Bon, c'est pas grave. On va maintenant mettre de l'illuminateur sous les yeux, qui s'appelle Yves Rocher. Non, il s'appelle Stylo rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher. Et celui qui a un pinceau à un bout et de l'autre côté. Ouh, mais lui aussi, cool, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Celui qui a le pinceau de ce côté et de l'autre côté, le truc pour tourner et en mettre. Et pensez bien que je ne vais pas en remettre, il y en a plein. Je regarde là, hein. Je vais en mettre juste ici un petit peu pour illuminer le regard. Le regard, pas le regard. Oh, regarde, alors regarde. Regarde un peu. Oui, j'en mets sur mes paupières pour les unifier. Et puis, je fais la même chose que tout à l'heure, donc c'est très bête. Mais parce que je le sens comme ça. Il y a des choses que je fais par instinct, dirons-nous. Parce que, pourquoi pas? Doit-on tout le temps tout justifier? Je ne crois pas. Là, je me justifie en fait pour vous expliquer ce que je fais, mais ce n'est pas une justification, c'est une explication. Employons les mots à bon escient. Façon, moi, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Faites comme moi, je vous jure, c'est bien mieux. La vie s'allège, oh purée. Quand tu cesses de faire les choses pour les autres en fonction de leur regard, de leur avis, de leur. Eh bien, tu es vachement mieux. Tu te sens beaucoup mieux dans ta peau et dans ta vie. Mais non, j'aurais dû en mettre mon nez là. Bon, mais on mettra de l'illuminateur. Ah oui, j'en ai. Bon, voilà. Bon, déjà, je trouve que ma peau est plus unifiée. Sauf ceci que je cacherai en temps normal, enfin, ou pas. Mais je vais rien y faire, je reste à la maison. Je sortirai, je mettrai un masque qui serait donc l'équivalent. Donc, je fais rien. Je vais maintenant sculpter mon visage. Tiens, je voulais dire à Chris, une fois, tu as parlé du creux que tu avais dans tes joues, là. Moi, j'ai les mêmes. À chaque fois que je te regarde, je vois la même chose. Ici, là, ce creux bizarre, là. Qui c'était, dis donc? On se creuse à des endroits, il y a d'autres endroits où on gonfle. Bête, hein. Donc je vais utiliser en bronzer, en poudre de soleil, la Max & More Bronzing Powder Matte. Je vous en ai parlé et c'est vrai que je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous êtes dans le bon sens. Excusez-moi, mais j'ai pas mes lunettes donc je vois strictement rien. Qui est donc, je vous l'ai dit, pas du tout orange, mais qui peut être vite terreuse. Donc, affadir le teint, le rendre un peu marron mort, gris pas beau. Donc, méfiez-vous si vous lavez. Je prends un pinceau qui est tout, a été lavé, donc il a pris mauvaise forme. Je prends un pinceau de chez Yves Rocher, qui est le pinceau poudre, tout bêtement. Alors, j'en prends sur un côté, parce que j'utilise deux pinceaux, c'est tout. J'ai pas envie de me casser la tête. Que je mets donc sur. J'aplatis mon pinceau et je mets là. Je vais creuser le creux. Il y en a déjà un. Mais on le poursuit un peu, vous voyez? Et après, toujours avec le même pinceau, on remonte la poudre. Attends, je cherche mon mot. Oui, rigole pas, Chris. Je sais que. Ouais. L'autre fois, je me suis moqué de toi, mais tu peux, là. Oh, dis, je trouve pas le mot. Bon, on la fond dans la peau, c'est pas le terme que je cherche, mais de toute façon, est-ce que ça passe pas une barre? Ok? Voilà. On va en reprendre un chouïa pour ici. Pour avoir l'illusion d'estomper. Bon, là, on va faire un peu ça parce qu'il faut quand même que le décolleté soit de la couleur du visage. Ah ouais, et les oreilles qui sont à la vue de tous. Bon, là, vous les voyez après vous. Parce que figurez-vous. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Hier, chérie regardait Hanouna. Cyril Hanouna. Hanouna. Et moi, j'étais sur mon ordi, mais donc à côté de lui. Donc forcément, je vois plus la télé que l'ordi, vu la taille des écrans.
Donc je prends toujours le même pinceau que j'essuie vaguement sur une serviette. C'est une vieille serviette Coca-Cola toute trouée. Et attendez, oui, je suis pas perdu. Non, je suis pas perdu. Je vais utiliser ce sublime. Mais alors vraiment, je vous l'ai présenté déjà. Je trouve pas où c'est écrit. Le sublime blush enlumineur au lisse blanc qui s'intitule L'Orchidée de chez Sisley. Là-dedans, tout me plaît. Tout me plaît. Je vais bien, tout va bien. Nanana, tout me plaît. M'en plus. Oui, ben, j'ai des références. Oh, il y a un miroir qui est pas mal. Oui, bien, mes petits boutons là. Ils sont mignons. La moustache, ça peut attendre. De toute façon, mon esthéticienne n'est pas là. Les sourcils, il y en a deux, trois qui se promènent. Pas grave. Le nez est propre. Oui, je fais une inspection. Bon, donc, je disais donc, il est sublime. Alors, il fait les trois choses, c'est-à-dire il fait blush, terre de soleil et enlumineur grâce à ses différentes couleurs. Il est sublime. Et je suis toujours tentée de le sentir comme ça allait sentir les fleurs. Oh non. Là, je trouve qu'on voit bien mes joues, ça fait rien. Ouais, donc, mon anecdote est que, donc, je prends le même pinceau et je trempouille dedans au hasard Balthazar. Mais voilà. Et puis, je vais en mettre là. Là où je mettrai le blush et l'enlumineur, puisqu'il fait les deux, le petit gars. Hein. Oui, donc, hier, en regardant Nouna, j'ai regardé, et je suis tombée au moment où. J'en mets un peu sur mon front, oui. Du coup, je vais faire ça. Oui, où une chroniqueuse parlait, superbement maquillée du visage. Mais alors, dit mon gars, quand elle se mettait de profil, on voyait que son oreille blanche. Je me suis dit, il faut vraiment qu'il change de maquilleuse. Hein. Donc là, j'estompe, j'ai trouvé le mot, j'estompe tout ensemble pour me donner de la couleur. J'ai oublié tout à l'heure de faire un truc hyper important. On va le faire avec celui-là. On va essayer de prendre que du marron. Hyper important, c'est pas vrai. Voilà. Et avec un autre côté, non, je vais essayer de prendre juste de l'enlumineur. Mais l'enlumineur a quand même une base très marron. Alors, je sais pas si ça va faire joli. Je pense que oui, l'autre fois, ça avait fait joli. Mais maintenant que je vous le fais en live, vous allez voir, ça va pas faire si joli que l'autre jour. L'autre jour, j'étais ravie de mon make-up fait comme ça, en piochant dans mes affaires pour utiliser des choses que j'utilise jamais. Ça marque un peu beaucoup, là. C'est la caméra. Je range un peu. Oui, donc je vous disais, la fille, vraiment, ça faisait moche, je vous jure. Après, j'ai fait une fixette là-dessus. Je me suis dit, mais non, il faut vraiment que les maquilleurs fassent gaffe, c'est trop moche. Bon. Moi, ouais, je suis un peu peinturlurée, peut-être, là. Mais bon, ça va bien. Je vais mettre en masse. Je vous avais vu, je n'ai rien mis sur mes yeux, à part de l'anti-cerne et de l'enlumineur Yves Rocher, tout simplement pour juste atténuer les petites différences de couleurs qu'on peut avoir sur les paupières. L'âge, non. Quel âge? Quel âge? 30 ans. Et donc là, j'utilise en mascara, toujours. Je m'étais trompée l'autre jour, j'ai dit que c'était un mascara MAC, pas du tout. C'est un mascara NARS, qui s'appelle le Climax Extrême. C'est un mascara, ou je sais pas comment on appelle ça, échantillon ou voyage, que j'ai eu dans le L, pas cette semaine, la semaine d'avant. Je le trouve génial. Bon, ah voilà. Bon, pas m'approcher trop. Je suis capable de poser le mascara sur mon pull. Oui. Donc, il a une brosse tout à fait ordinaire. Je crois que c'est là que vous regardez vous. Voilà, des poils serrés. Pas du silicone, hein, des poils en poils. Donc, on va mettre le mascara. Je me regarde dans la glace, là. Hein. Bah, vous voyez quand même. Parce que je ne suis pas finaude. Ah, j'ai vu une astuce, tiens, pour les cils. Je n'ai pas encore testé, il va falloir que je la teste. Alors, je vous en parlerai quand j'aurai testé. Ouais, je vous prépare une vidéo astuce. Alors, des astuces, j'en vois partout. Mais j'aime bien parler de ce que. Et voilà, je m'en suis mis sur la paupière. J'aime bien parler de ce que je teste pour être sûr que ça fonctionne. Et déjà, il donne de la définition aux cils.
On va en mettre. Oui, il clignote mon truc. J'ai fait que ça marche. Vous rappelez, l'autre fois, je vous avais dit que j'avais fait une vidéo livre. Ben, que chi, ma vidéo, j'ai dû l'effacer en effaçant d'autres trucs parce qu'elle est introuvable. Donc, ça m'a énervé, oui, complètement. Et je vais en faire une autre, mais sur un autre livre, du coup, que j'ai terminé hier après-midi. Hier à la sieste, ouais. Mais il était. Non, mais je ne vais pas en parler, idiote. Bon. Je vais me démonter le cou. Il est pas mal, hein? Tu sais, moi, je bave de ce côté. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est ma nature AVSexe. Non! De l'AVC. Oh là là, l'obsédé. Donc, j'en mets un peu en bas, sachant, comme je vous l'ai déjà dit, que en bas, ça ne me convient pas. Mais comme le crayon dans l'œil ne me convient pas non plus. Il faudrait que je fasse un. Oui, avec la poussière. Mais non, là, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait l'autre jour et qui, je trouve, a sublimé ma beauté. Je répète, a sublimé ma beauté. Oui. Oh. Hein, qui c'est qui me fait des compliments? Si vous m'en faites plein, vous, et vous savez que les compliments, c'est hyper gênant. Enfin, moi, je suis hyper gênée par les compliments parce que ce que vous me dites, je ne le vois pas, moi, à l'écran. Vraiment, et c'est pas pour faire ma modeste, hein, pas du tout. Vous savez que c'est pas mon genre. Mais c'est vrai que ça me gêne les compliments. Parce que je ne me vois pas comme ça. Mais tant mieux, si les autres me voient plus belle que je ne me vois. Oh, que je suis belle en ce miroir. C'est pas mal quand même ce mascara, les gars. Mais je pense qu'il est nars, c'est pas donné. Donc, je garde bien celui-ci. Voilà. Et une petite touche. Ça aura mis combien de temps tout ça? 17 minutes, ouais. Une petite touche rouge à lèvres puisque je reste à la maison. Donc de ce fameux L'Oréal que je vous ai présenté l'autre jour, dont j'ignore les caractéristiques, puisque. Attendez, je vais vous montrer entier. Puisqu'il y avait une étiquette collée dessus et que les indications étaient collées dessus, L'Oréal, vous êtes parfois un peu couillon. Ouais, mais couillon, c'est gentil, hein. Vous pouvez m'envoyer des produits. Oui, je sais, c'est pas très bon, L'Oréal. Mais moi, je ne suis pas. Pour l'instant, je ne suis pas du tout dans le truc clean, ça. J'ai trop de produits non clean à utiliser avant de penser à acheter des produits clean. Parce que acheter des produits clean, c'est bien pour la planète, mais la surconsommation n'est pas bonne. C'est pas mal ce petit rouge à lèvres, hein? De toute façon, pour faire ce que je vais faire, on va maintenant essayer de se coller. Oh. C'est-il pas joli? Oh. Attendez. Bon, bah, je suis. Attendez, on va faire un truc. Ah, je suis tombée. Ah, tiens, remarque, regarde. Oui, il y a un peu de mascara sur les paupières. Hein. Ça voit bien de près. Ça fait rien. Je sais comment enlever, mais je n'enlèverai pas. Parce que je m'en tape le coquillard. Je n'arrive pas à m'éloigner plus. Hein. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à me rapprocher. Toujours ma super technique du coiffage, du coiffu, dirait. Comment ça s'appelle? Ma mère, j'ai perdu son nom d'un coup. Ça y est. Bon, bref, comme elle dirait. Oh, mais c'est dingue, ça. Bon, allez, le coiffu, c'est bien. De toute façon, encore une fois, pour rester à la maison et pour faire la sieste dans 1 heure et demie, 2 heures, est-ce bien utile de se faire les papouilles? C'est juste pour vous montrer comment je suis trop. Allez, à bientôt, je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, faites attention, faites pas des conneries. Pensez aux autres, oh là là. Je parle pas du confinement, la première fois j'en ai parlé, je me suis détaillé. Mais en même temps, si j'ai envie, j'en parlerai. Sûrement par petits pointillous. J'en parlerai par petits pointillés. Salut, à bientôt, je vous aime. Prenez soin de vous. Bon week-end.